Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 11 de Au coin du Blu-ray. Épisode 11, donc consacré à la lettre E. Et je vous montre déjà le film. Quel affront! Mais en même temps, je pouvais pas le gâcher plus longtemps. La lettre E, j'ai pas forcément beaucoup de films dedans. J'ai la saga Evil Dead, que personnellement j'aime beaucoup. Mais donc, voilà, j'avais pas envie de vous le cacher plus longtemps. Là, aujourd'hui, on va parler de L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. L'échelle de Jacob, qui est un film que j'ai découvert grâce à un certain Karim Debbache, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir ce film. Mais bien au-delà de ça, c'est un film qui m'a vraiment renversé parce qu'à l'époque, j'ai découvert un film d'épouvante absolument terrifiant. L'histoire, en gros, elle est très simple, c'est celle de Jacob Singer, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui, après être revenu, est en proie à de sérieuses crises paranoïaques, doublées en plus de certaines visions assez glauques, qui vont le pousser à croire que soit il est en train de devenir fou, soit potentiellement une entité diabolique est en train de le poursuivre. Quelle sera la vérité? Vous le saurez en regardant le film. Personnellement, à l'époque, donc, je l'avais regardé parce que Karim Debbache évoquait le film dans une critique autour de Silent Hill. Et du coup, il évoquait le fait que beaucoup des visions que Adrian Lyne avait mis en place au travers de son métrage lui rappelaient le travail fait sur le jeu vidéo Silent Hill. Ce qui n'est pas du tout étonnant parce que les deux, on le sait, ont une certaine filiation en termes de création audiovisuelle. Datant de 1990, moi personnellement, je m'attendais à un petit film d'épouvante dans une certaine vibe à la John Carpenter, avec quelques effets plutôt bien sentis, avec une ambiance assez travaillée. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est un film extrêmement malsain qui parvient au travers d'une ambiance extrêmement bien conçue et extrêmement bien diluée au cœur d'une œuvre qui tout de même est assez longue, quasi 2 heures, à travailler non seulement autour de la psychologie d'un personnage, mais également autour de la psychose que ses visions vont générer sur le spectateur. Parce que Adrian Lyne, ça a toujours été un cinéaste qui était fasciné, en un sens, par la puissance des fantasmes et de l'imagination du spectateur. Vous regardez sa filmographie, qui est mine de rien assez courte, c'est un metteur en scène qui a toujours eu pour idée finalement de mettre en relief au travers de ses films soit les pires cauchemars du spectateur, soit les meilleurs fantasmes possibles à mettre en place. Et L'échelle de Jacob, c'est le pire cauchemar imaginable pour un être humain. Revenir d'un endroit où on a connu l'enfer, et une fois la vie normale reprise, toujours être coincé dans cet enfer. Il n'y a rien de pire pour un être humain. Imaginez ça, c'est vraiment le syndrome post-traumatique poussé dans un retranchement où littéralement, nous ne sommes plus capables de vivre. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans L'échelle de Jacob. C'est un film qui joue avec la psychologie du spectateur jusqu'à un point où, potentiellement, certains ne vont pas tenir le coup. Et oui, je sais qu'aujourd'hui, on imagine que parce qu'on a vu les sauts, parce qu'on a vu les destinations finales ou des trucs comme ça, on a vu des trucs gore, on est capable de soutenir les images les plus macabres et les plus glauques imaginables. Et ben profondément, je pense que non. Je pense que le spectateur, mis à certaines images qui le traumatisent et qui le renversent, va être capable de ne pas dormir la nuit, même s'il a 45 ans et qu'il pense avoir tout vu. Non, non. Je pense profondément que L'échelle de Jacob a dû en traumatiser bien plus d'un et que vraiment, ça a de quoi faire mal. Ça a de quoi vraiment faire mal parce que Adrian Lyne, au travers de ce film, pour moi, il arrive à largement surpasser des James Wan ou même des John Carpenter par instant par rapport à l'imagerie qu'il met en place. L'imagerie de L'échelle de Jacob est tétanisante de perfection par instant. Il y a des scènes où il utilise des effets où honnêtement, même moi qui suis habitué des fois à regarder des films un petit peu glauques, même moi qui trouve que des fois des calvaires c'est quasi insoutenable, L'échelle de Jacob, la première fois que je l'ai vu, je peux vous assurer que j'ai fait quasi une nuit blanche derrière. Hein. Parce que moi dans ma tête j'étais en train de me dire « wow 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 ». Il y a moyen de devenir fou avec ce film. Et c'est ça que je trouve génial. C'est qu'Adrian Lyne a réussi vraiment à capter ce qui fait l'essence d'un film de genre qui arrive non seulement à se concevoir comme étant la construction d'une histoire cohérente avec une juxtaposition d'événements, de retournements qui vont pousser le spectateur à vraiment se mettre à la place de ce personnage et à en plus derrière chercher le plus possible à interpréter, savoir s'il est fou ou si c'est des visions ou si c'est du fantastique ou si potentiellement il est vraiment poursuivi par quelqu'un. Et en jouant avec ça, derrière d'ajouter une imagerie qui soit extrêmement marquée, qui soit extrêmement impactante, qui est vraiment pour ambition première, bah pardon, de traumatiser le spectateur. Je pense que c'est le but. Hein. Le but était vraiment de traumatiser le spectateur et de pousser à penser que ce qu'il voit, c'est glauque, c'est crade, ça fait mal. Et ça fait mal par instant. Je m'obstine à penser que vraiment, L'échelle de Jacob, il y a des scènes où vous n'allez pas tenir.
vous allez vouloir mettre le film sur pause, aller regarder potentiellement un petit Marvel, histoire de vous dire « Ah non, mais il faut que je vois quand même un film un petit peu plus joyeux, un petit peu plus léger, parce que sinon je vais péter un câble », ce que je pourrais totalement comprendre. Bien au-delà de ça, bah, j'ai surtout encore une fois envie de saluer l'interprétation de Tim Robbins dans ce film, parce que Tim Robbins, c'est un acteur qui a eu une carrière assez éclectique, mais qui aujourd'hui est un petit peu tombé en désuétude, je veux dire aujourd'hui, plus personne ne parle de Tim Robbins. Heureusement qu'il y a Les Évadés, qui est considéré aux États-Unis comme l'un des meilleurs films de tous les temps, pour rappeler que Tim Robbins a eu une carrière. Mais honnêtement, pour beaucoup de cinéphiles français, Tim Robbins, il est un peu tombé dans l'oubli. Ce que je trouve dommage, parce que c'est vraiment un immense acteur. Et dans L'Échelle de Jacob, il a peut-être l'un de ses rôles les plus impressionnants, parce qu'il arrive à être dramatique, mais aussi à être terrifiant par instant. Ce qui est une véritable prouesse, et moi, me rappelle à quel point il est extrêmement doué. Et qu'il aurait mérité d'avoir encore aujourd'hui un petit peu plus de rôle, parce que réellement c'est un très très bon acteur. Au-delà de ça, ça sert à rien que je vous parle de la galette, parce que Studio Canal a été très radin, il n'y a pas un seul bonus sur cette galette, et j'espère vraiment qu'un de ces quatre, ils vont ressortir une édition 4K avec plein de choses dessus, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur L'Échelle de Jacob et sur sa construction. Mais en tout cas, matez L'Échelle de Jacob d'Adrien Lyne, vraiment. Matez-le aussi dans un bon contexte, parce que sinon, vous risquez vraiment de finir très très mal et de potentiellement très très mal dormir. Et matez-le avec des gens autour de vous. Et potentiellement quelqu'un qui vous donnera de l'amour à la fin de L'Échelle de Jacob. Parce que je pense que vous aurez besoin d'un câlin. C'est bien possible. Ce film fait vraiment mal par instant. Ainsi s'achève cet épisode 11 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de L'Échelle de Jacob, que vous l'ayez déjà vu ou que vous vous apprêtiez à le voir. Mais vraiment, encore une fois, regardez-le dans un bon mood, parce que sinon, vous allez très très mal finir. J'ai pas envie que ça soit le cas. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, même si ici, ça n'est pas trop le cas. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Même si là, il n'y a rien.